WebEx C'est ça le Assistant is rôle du enabled to save processeur. Après, on audio va le highlights. voir en détail. Donc, l'unité centrale ou bien le processeur. Le processeur a pour rôle d'exécuter les programmes. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, en langage C, comme un programme, je il dit l'exécution, c'est le processeur. Donc, son rôle, c'est exécuter les programmes. Donc, le processeur, il est composé d'une unité arithmétique. Je m'en ai unité arithmétique. Arithmétique, c'est l'addition, soustraction, multiplication, division. Donc, tout ça, il dit le processeur. Et aussi, il peut dire les opérations logiques. Logique qui mêle il ou les autres opérations logiques. Et d'une unité de contrôle. Donc, l'unité arithmétique et logique réalise les opérations élémentaires, comme j'ai dit, l'addition, la soustraction, la multiplication, à chaque top d'horloge. On a une unité de contrôle. C'est quoi l'unité de contrôle? Elle contrôle les opérations sur la mémoire, lecture, écriture, et les opérations réalisées par l'UAL. L'UAL, c'est l'unité arithmétique et logique, selon l'instruction en cours d'exécution. C'est-à-dire, le processeur, il va faire des allées et des retours vers la mémoire. C'est-à-dire, il veut de l'information dans la mémoire, il la mémoire. Donc, en utilisant quoi? En utilisant l'unité de contrôle. C'est-à-dire, c'est elle qui va contrôler les allées et les retours vers la mémoire. Alors, pour effectuer les opérations sur les données et exécuter des programmes de l'unité centrale, il faut disposer d'un espace de travail. Cet espace de travail, on l'appelle mémoire centrale. C'est-à-dire, pour dire les opérations arithmétiques et logiques, et pour exécuter les programmes, il faut que j'ai une mémoire. Donc, je ne peux pas faire l'exécution sans mémoire, parce que le programme est chargé de mémoire. Qui n'a pas compris le rôle du processeur? Est-ce qu'il y a des questions? عاود ما فهمتوش قادرين نعاودها نعاود. Donc, je récapitule le début pour les gens qui sont en retard. Donc, on a dit l'architecture d'un ordinateur. L'ordinateur, il est composé d'une mémoire centrale et d'un processeur. La mémoire centrale, c'est quoi son rôle? C'est garder les informations, sauvegarder les informations, mémoriser les informations. C'est ça le rôle de la mémoire. Le processeur, j'ai dit, il est composé d'une unité arithmétique et logique. L'unité arithmétique, qu'est-ce que dire? Dire l'addition, la soustraction, la division, la multiplication, etc. Et l'unité logique, elle fait quoi? Qui mêle il, l'XOR, NAND, tout ce qui est logique. Donc, ça, c'est le processeur. Ça, c'est le rôle du processeur. Donc, le processeur, il va faire les opérations arithmétiques et il va faire les opérations logiques. Donc, le processeur, donc, la mémoire centrale, un programme. Par exemple, un programme en langage C. Donc, il faut charger ici la mémoire. On va aussi dire le processeur. Le processeur, il roche la mémoire. Il fait une instruction. Par exemple, il fait A reçoit B plus C, par exemple. Il va faire le calcul. Il va faire B plus C. Qui est ce B plus C? Qui a le résultat? Donc, il va remettre là, il rejoue la mémoire pour être enregistré. Ou les allées de les retours, avec une unité de contrôle. Il y a une unité qui va faire le contrôle des les allées et retours. Il y a la définition du processeur. Je répète pour la dernière fois. Donc, le processeur, il va faire, pardon, il possède une unité logique et arithmétique. Logique, c'est tout ce qui est logique et ou, etc. Arithmétique, c'est les opérations arithmétiques plus, moins, fois et division. Donc, la mémoire centrale, il va y avoir un programme. Donc, imaginez un programme en langage C. Donc, le processeur va prendre une instruction, il va faire les calculs et il va remettre le résultat à la mémoire centrale. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est le fonctionnement de la machine.
C'est clair ou là je répète? Oui? C'est clair, madame. D'accord. Donc ça, c'est pour la définition de le processeur. Maintenant, on va passer vers la mémoire. C'est quoi une mémoire? Donc, une mémoire, c'est un dispositif capable de faire quoi? D'enregistrer une information. Donc, il peut enregistrer une information temporairement. C'est-à-dire, il enregistrera pour un moment, on bête, trop. Ou là, de la conserver. Conserver, c'est-à-dire mémoriser tout le temps. Ou là, de la restituer. Je restituer, nous la mémoire, c'est-à-dire récupérer une information de la mémoire. Donc, soit je peux enregistrer, soit je peux lire cette mémoire. Il existe plusieurs types de les mémoires. On a la mémoire centrale. La mémoire centrale, c'est la mémoire de l'ordinateur. Ou là, par exemple, on a un disque dur, la disquette, le flash disque. Il y a plusieurs donc dispositifs de mémoire. Donc, nous allons parler notre chapitre, la mémoire centrale, c'est-à-dire la mémoire d'un ordinateur. Est-ce que c'est clair ici? Pas de questions? Oui, je passe. Oui, madame, bonsoir. D'accord. Maintenant, la mémoire a des caractéristiques. On va voir les caractéristiques de la mémoire. Maintenant, la première caractéristique, c'est la capacité d'une mémoire. Ou la capacité d'une mémoire. La capacité, c'est la taille. C'est-à-dire, j'ai l'information dans la mémoire. C'est le nombre ou la quantité d'informations qu'on peut enregistrer ou là qu'on peut mémoriser dans cette mémoire. C'est ça la capacité. C'est la taille, c'est le nombre d'informations. Alors, comment je peux exprimer la capacité, c'est-à-dire le wihda, qui m'en parle, le wihda, la capacité. La capacité, avec plusieurs. On peut capacité en bits, la taille en bits. Le bit, soit 0, soit 1. Donc, il est composé de 0 ou 1. L'octet, on peut par exemple 8 octets. Donc, un octet est égal à combien? Est égal à 8 bits. On peut calculer le kilo-octet. Le kilo-octet, 1 kilo-octet est égal à 1024 octets, c'est-à-dire 2 à la puissance 10 octets. On peut calculer le méga-octet. 1 méga-octet est égal à 1024 kilo-octets, c'est-à-dire je peux faire la conversion entre méga-octet ou le kilo-octet. Et on peut calculer aussi, je peux faire la conversion vers l'octet. Il est égal à 2 à la puissance 10, 20 octets. Nous pouvons calculer gigaoctet. Gigaoctet, il est égal à 1024 mégaoctets. Donc, il est égal à 2 à la puissance 30 octets. Nous pouvons calculer avec téraoctet. 1 téraoctet est égal à 1024 gigaoctets, est égal à 2 à la puissance 40 octets. Donc, les capacités, il faut les apprendre. Parce que des fois, ça tombe les exercices. C'est-à-dire, il y a tout le comme une conversion. Donc, l'azim, par exemple, il faut le convertir d'un kilo-octet vers l'octet. D'accord? Donc, il faut les apprendre, les capacités, les conversions. Donc, bit, octet, kilo-octet, méga-octet, giga-octet et tera-octet. Qui n'a pas compris la capacité? C'est clair? Pas de questions? C'est clair. D'accord. Pardon. La deuxième caractéristique de la mémoire, c'est la volatilité. Wesh ma'naha volatilité. Si une mémoire perd son contenu, le contenu, c'est-à-dire les informations, lorsque la source d'alimentation est coupée, alors la mémoire est dite volatile. C'est-à-dire, on a une mémoire, il y a des informations. L'ordinateur, quand la fiche d'électricité, donc, il va y avoir une coupure de courant. Qui n'a pas de brancher, il va relier les informations. Donc, je vais dire que la mémoire est volatile, c'est-à-dire elle perd les informations. Elle va garder les informations. Donc, qui va garder les informations? On va c'est une mémoire volatile. Si une mémoire ne perd pas ou là, elle conserve son contenu lorsque la source d'alimentation est coupée, c'est-à-dire
كونت جو ديبرونش لا بريز ونعاود نرجعها كي نفتح لورديناتور راح نلقى لي زانفورماسيون ديالي دونك لي زانفورماسيون سون كونسيرفي دونك جو في دير كو لا ميموار الي نون فولاتيل سي اون ميموار بيرمانونت ولا نقولوا عليها ستابل دونك سي سا لا ديفيرونس انتر فولاتيل اي نون فولاتيل فولاتيل لو كونتوني يروح كي تروح ليكتريسيتي نون فولاتيل دونك لي زانفورماسيون سون كونسيرفي كيل كو سوا جيسبر كو سي كلير. Donc ça, donc on a la capacité, on a la volatilité. Maintenant, on va voir le mode d'accès à l'information. C'est-à-dire, on dit une mémoire, ou je peux dire fiha. Est-ce que je peux dire une lecture ou là, je peux dire une écriture? On va voir. Donc si une mémoire, sur une mémoire, pardon, on peut effectuer l'opération de lecture. Je peux dire lecture, c'est-à-dire récupérer les informations à partir de la mémoire. Ou là, on peut écrire écriture. Écriture, qu'est-ce que ça veut dire? Soit je peux enregistrer une nouvelle information, c'est-à-dire une nouvelle information. Ou bien, je modifie une information qui existe déjà. Donc, on dit une information dans la mémoire, je la modifie. Donc, c'est ça l'écriture. Donc, l'écriture, soit nzid une nouvelle, soit je modifie une information qui existe. Donc, il existe des mémoires qui offrent les deux modes, lecture et écriture. Donc, quand j'ai une mémoire qui fait l'écriture et la lecture en même temps, c'est une mémoire vive, c'est la RAM. Il y a la RAM. Après, il existe aussi des mémoires qui offrent uniquement la possibilité de lecture, c'est-à-dire je ne peux pas faire la modification ou bien zid une nouvelle information. Les mémoires mortes, c'est les ROM. Donc, et c'est le sujet de notre chapitre. Donc, on va étudier la RAM, c'est-à-dire on va étudier les mémoires vives. Après, les RAM, les ROM. Donc, on chauffe les mémoires mortes. Donc, on chauffe les RAM, les nous pouvons lecture et écriture. On chauffe les ROM, les nous pouvons dire uniquement la lecture. Est-ce que c'est clair? Madame, ma femme de lecture. Ma femme de lecture. Oui. Donc, lecture, je m'en ai. Je m'en ai. Tu as la mémoire. Tu as, par exemple, une information en langage C. Tu as lire A. Tu as qui t'exécuter. Lire A. Donc, tu as A. D'accord? Tu as le contenu de A. C'est exactement la même chose. Donc, on peut nous de l'information, c'est-à-dire on peut lire dans cet endroit. Je lis uniquement. Restituer. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est exactement la même chose. Tu as récupéré. Récupérer ou restituer, c'est la même chose. Madame. Ah, ok, merci. Oui. Et pour le disque dur? On peut écrire et lire en même temps. Oui, mais c'est quoi le sujet de notre chapitre? La mémoire centrale. On ne va pas voir les disques durs, d'accord? C'est la mémoire centrale. On va étudier RAM ou ROM, c'est tout. Donc, les mémoires volatiles. Oui? Oui, c'est les mémoires volatiles. Ah, d'accord. Donc, est-ce qu'il y a une question? Parce que l'anisme saute. Non? Donc, nous allons lire les mémoires centrales d'un ordinateur. Nous allons lire les RAM. Nous allons lire les RAM. C'est tout. Ni disque dur, ni... Voilà. D'accord? Donc, je récapitule. Donc, je vais faire le début. Parce que c'est très important. Donc, le schéma d'un ordinateur. Il est composé d'une mémoire et d'un processeur. Le processeur, donc, il va faire les calculs. La mémoire, elle sauvegarde les informations. Après, on a vu les capacités. Donc, la capacité, c'est la taille. Donc, comme il faut retenir les conversions. Après, volatile, c'est-à-dire c'est des définitions. Volatile, qui est les données. Non volatile, les données sont conservées. Et le mode d'accès, c'est-à-dire, on va voir les mémoires vives, l'indir, lecture et écriture en même temps. Et on va voir aussi
les mémoires mortes, c'est-à-dire naqrabak. Donc, je fais qu'une lecture. Alors, on va commencer par la mémoire centrale. On va commencer par le RAM. Le RAM, c'est Random Access Memory. Random Access Memory, c'est mémoire à accès aléatoire. C'est le RAM. Donc, on va définir la RAM. Donc, la mémoire centrale ou la RAM représente l'espace de travail de l'ordinateur. Wesh ma'naha l'espace de travail de l'ordinateur? Par exemple, tout ma comme un programme en C, lazem ikon f la mémoire. Alash? Parce que le processeur, il huwa li rayh yedir les allers et retours vers la mémoire bach yejbed les instructions ou yexdemhom. C'est ça la définition de l'espace de travail. Donc, c'est l'organe principal de rangement des informations utilisées par le processeur. Comme j'ai dit, donc la mémoire fera le programme et le processeur donc réhydir les allées et de retour vers cette mémoire. Dans une machine ou l'ordinateur, pour exécuter un programme, il faut le charger ou bien le copier dans la mémoire centrale. Donc les icônes placées la mémoire centrale avec le programme. Le temps d'accès à la mémoire centrale et sa capacité sont deux éléments qui influent sur le temps d'exécution d'un programme. On peut les performances d'une machine. C'est-à-dire, donc, Thomas a un programme la mémoire centrale qui déroule exécuté. Le temps pour le résultat, il est calculé à partir de quoi? Ou là, il dépend de quoi? Il dépend du temps d'accès à la mémoire et sa capacité. Le temps d'accès, c'est-à-dire, شحال من مرة يروح ويجي هذاك لو بروسيسور باش يكزيكوتي لي زانفورماسيون داكور دونك سي لو طون داكسي سيتادير شحال من مرة ياكسيدي لا ميموار اي اوسي il dépend de la capacité de la mémoire c'est-à-dire شحال la taille de la mémoire donc le temps d'accès vers la mémoire et la capacité هما لي influencent le temps l'exécution, c'est-à-dire le temps l'insinawer pour avoir le résultat. La capacité d'une mémoire centrale est limitée. Donc, on dit la mémoire a une capacité limitée. Mais toujours, il y a la possibilité d'une extension. Wesh ma'naha extension? Ma'naha naqdar nzid la taille de la mémoire. Et ça, c'est la deuxième partie de notre chapitre, c'est-à-dire, rehanalmkom qui fait zido la taille t'as une mémoire. Elle est limitée, mais on peut rajouter la taille. Pour la communication avec les autres organes de l'ordinateur, la mémoire centrale utilise les bus, bus d'adresse et bus de données. C'est-à-dire, par exemple, pour communiquer avec le processeur ou la mémoire, bashi communique les bus d'adresse et bus de données. Je vais détailler le bus d'adresse et bus de données juste après. Est-ce qu'il y a une question ici? Jamais fait tout sur les définitions. Oui? Madame, Oui? le bus, c'est comme une ligne pour transférer les informations. J'ai pas entendu. Un bus, c'est comme une ligne pour transformer les informations, c'est ça? Oui, c'est pour transformer les informations. Voilà. Donc, je vais le détailler juste après. Je suis à Hagda, je vais détailler. D'accord. D'accord. Donc, s'il n'y a pas de questions sur les définitions, on va passer vers la vue logique de la mémoire centrale. Alors, la mémoire centrale dit Hagda. Le dessin d'IRA, c'est peut-être vu comme un large vecteur, un tableau, d'accord, de M mots au octet. Wesh ma'naha de M mots au octet. Donc ici, il dakhl, pardon, il dakhl là, les tchoufoufihom en rouge, c'est les informations. Donc le mot, ma'naha information. Le mot, il est composé de deux octets. Ou la 4 octets, ou la c'est les puissances de 2. Donc le mot, c'est des octets. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ici, on dit 7 octets.
D'accord. Donc, c'est des informations en octet. Après, un mot mémoire stocke une information sur n bits. Voilà. Donc, hado, c'est des n bits. Un mot mémoire contient plusieurs cellules mémoire. Une cellule mémoire stocke un seul bit. Donc, le carré, le rectangle, pardon, c'est des cases, hagda. Et chaque case, elle est composée d'un bit. Donc, idio hagda. C'est des cases. C'est comme si on a une grande matrice. Chaque mot possède sa propre adresse. Le mot, c'est une information. Donc, chaque mot a une adresse. Ça, c'est les adresses. Par exemple, le mot a l'adresse 000. Le mot a l'adresse 001. Et ainsi de suite. C'est quoi une adresse? Une adresse, c'est un numéro unique qui permet d'accéder à un mot mémoire. Donc, par exemple, quand je dis l'adresse 00, elle contient l'information 00, 1100. Donc, je ne peux pas accéder directement à l'information. Donc, j'utilise l'adresse pour accéder à l'information. Les adresses sont séquentielles, c'est-à-dire consécutives. Idjo morbad 000, 001, 002, etc. Donc, la taille de l'adresse, c'est le nombre de bits, dépend de la capacité de la mémoire. Donc, ça dépend de la capacité de la mémoire. Je vais numéroter donc les adresses. La RAM est constituée de M mots, c'est-à-dire un mot, les mots hado. Et chaque mot, il est composé de N bits. De N bits. Qu'on appelle cellules binaires. Donc, head les cases, naïolhom, les cellules binaires. Donc, quand je vais appeler une RAM, une RAM M fois N. Qui tu fais RAM M fois N. Maintenant, M mots, les mots head en rouge. Et chaque mot, il est composé de n bits. Est-ce que c'est clair? Oui? Madame, le son coupe. Naoud? Oui, il y a des problèmes de Répète, je connexion. répète, mais m'entends. Oui, madame. Donc, je répète. On a une mémoire. Voilà la mémoire centrale. Elle est composée ou elle est vue comme un tableau. Donc, c'est un tableau. Chaque case de la mémoire, c'est un mot. Le mot, maintenant, a une information. Il est composé de n bits. Donc, on dit plusieurs bits. Un mot mémoire contient plusieurs cellules mémoire. Donc, ici, chaque bit raouf une cellule, fait une case. Donc ici, normalement, il consomme en plusieurs cases. Donc, et chaque case, elle va contenir un bit. Chaque mot possède sa propre adresse. Donc, c'est-à-dire, la mémoire a des adresses. Et chaque mot ici, chaque information a une adresse. Donc, je ne peux pas accéder à l'information directement. Je dois toujours utiliser l'adresse pour accéder à la case mémoire. C'est-à-dire, je vais dire, par exemple, à la case 0, l'adresse 001, j'ai cette information. À l'adresse 002, j'ai cette information. Donc, c'est ça, l'adresse. Une adresse, c'est un numéro unique qui permet d'accéder à un mot mémoire. Les adresses sont séquentielles ou bien consécutives, c'est-à-dire idjo 000, 001, 002 jusqu'à un certain nombre. La taille de l'adresse, c'est le nombre de bits, dépend de la capacité de la mémoire, c'est-à-dire les numéros ici, elles dépendent de la taille ou bien de la capacité de la mémoire. Donc, la mémoire ou la RAM, elle est constituée de un mot. Donc, on a un mot, deux mots, trois mots, quatre mots, cinq mots, etc. Et chaque mot, il est composé de n bits. Par exemple, n bits. Donc, on a des cellules binaires. Donc, ça, c'est une cellule binaire. L'expression qui représente cette RAM,
Donc, quand on voit RAM M fois N, maintenant, c'est une RAM qui est composée de M mots. Par exemple, ici, je mots de faire de la mémoire. Combien de mots? Ouais. Non? Mais tu vois, j'ai donné des exemples. Hein? 5. Cinq. Non, ce n'est pas 5. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord? Donc, il y a d'abord les cases, mais je ne fais rien. D'accord? Parce que Bac, Ah, ok. c'est des exemples. C'est un exemple. Donc, il y a de la RAM, elle a 10 mots. De combien de bits? De 7 bits. D'accord? Donc, c'est une RAM 10 fois 7. C'est clair? Madame, Oui? et l'adresse à chaque mot, c'est donc 0000000. Voilà. Voilà, donc ça c'est l'adresse. Voilà, ça c'est l'adresse et ça c'est le contenu d'une case ou un mot mémoire. C'est clair? La logique de la mémoire ou de la RAM? Je continue? Madame, Oui? chaque cellule stocke un octet ou bien un bit. Là, chaque rien normalement ma fin tu kiffes ma ressente la cellule binaire mais je vais la dessiner là donc d'ailleurs chauffons Agda donc Agda dit maxoma on a عندي 7 bits donc dit maxoma sur 7 donc celle-là head le bit ici c'est une cellule binaire. Donc, cellule binaire, elle est composée d'un bit. Donc, ici, par exemple, il dit un bit 0. Madame, l'écran est bloqué. Parce que je suis en train de dessiner. C'est pour ça. Allez, je vais dessiner le complet de chauffe-eau. Apparemment, quand je dessine, ça bloque. Là, j'ai terminé normalement de guider. Job le mazel. Non, pas pour moi. Non. Mazel. Oui. Oui, mazal. Sinon, je vais arrêter le partage, on est out. Ça rache le partage, c'est bon? Oui. D'accord. Wagdadjan. Non, pas Non. encore. Mais que je partage, non? Non. Non, ma Voilà, carte. pas aidant. C'est bizarre. Problème ta connexion, madame. Même le Oui, son. ben, soit Andy, soit Andy, comme je sais pas. Ma cache. Déjà. Je vais arrêter une autre fois, je vais partager l'application. Chapitre 2. Il est déjà colloré. Ma cache? C'est Voilà. bon, c'est bon. C'est bon? Je ressens ici la première. Bon, la souris, mais tu fous, hein?
شفتوا وي واش بزاف. رسمت؟ بون وي مدام. بون باسكو دوكا ما تقدروش تشوفوا لا سوري باسكو جي بارطاجي لابليكاسيون ما بارطاجيتش ليكران. دونك ايسي في لا بروميير كاز ميموار يكون هكذا مقسومين اون سيلول بينير. دونك هادوك لي بلو سي دي سيلول بينير وفي شاك سيلول عندي ان بيت. Donc, le mot hadak ou l'information, il est partagé dans chaque cellule binaire. Comme toute la cellule binaire. Oui, donc un mot contient 8 bits, un octet. Oui, un octet. J'ai fait juste un exemple au hasard ici. J'ai pris un exemple au hasard. D'accord. D'accord? Donc c'est clair la vue t'as la mémoire centrale. Donc la mémoire centrale est un vecteur. Elle est composée d'un ensemble de cellules binaires. Chaque donc case de la mémoire, elle contient un mot, c'est-à-dire une information. Et chaque information, elle a une adresse fixe et unique. C'est ça la définition. Et toujours, il faut retenir le RAM M fois N. M معناها le nombre de mots et N c'est la taille de chaque mot. C'est bon? Oui. Bon, je vais nous sans sourire. Parce qu'on ne pas. Alors, structure physique d'une mémoire centrale, c'est-à-dire la RAM. C'est la structure d'IELHA qui fait. Ici, on va utiliser les bus d'adresse et les bus de données. Donc, une structure interne, c'est la RAM. C'est la RAM d'IENA ou la mémoire d'IENA. Elle est reliée à un MAR. Le MAR, c'est le registre d'adresse ou l'encololo bus d'adresse. C'est en marron. Et aussi, elle est reliée à un MBR. MBR, c'est le bus de données ou là le registre des données. Ou entre le MAR et la mémoire, on dit un décodeur. On va voir le rôle du décodeur. Ou le FOQA, on dit R ou W. RW, c'est read-write, lecture-écriture. Donc, je vais expliquer où je m'en ai le MAR, où je m'en ai le MBR, etc. Alors, le MAR, c'est quoi? Le MAR, c'est registre d'adresse mémoire. En anglais, c'est Memory Address Register. C'est le registre d'adresse mémoire. Il contient une adresse qui nous permet d'accéder directement à un mot précis de la RAM grâce à un décodeur. On a chaque mot de la mémoire, une adresse. Donc, pour accéder à une information sur la mémoire, l'ESM utilise l'adresse. Donc, le MAR, il va contenir l'adresse pour accéder à l'information. Dans ce cas, je vais utiliser le décodeur. Donc, si vous avez le décodeur, on va voir juste après un exemple où nous avons le décodeur. Donc, Thomas, vous allez mettre en tête que le MAR diffuse une adresse. À partir de cette adresse, je peux accéder à une information mémoire. Ça, c'est le MAR ou là, le bus d'adresse. On dit le MBR. Le MBR, c'est quoi? C'est le registre d'information mémoire. En anglais, c'est Memory Buffer Register. Il stocke l'information lue à partir de la mémoire ou l'information à écrire dans la mémoire. C'est-à-dire, dans le MBR, la donnée, ou là l'information, ou là le mot mémoire. C'est-à-dire, qui tu donnes à l'information, mais le mémoire, ou je trouve par exemple le processeur. MBR, ou le bus de données. Donc, on le processeur, il le bus de données, donc, le MBR, il contient l'information, il coule la mémoire. Est-ce que c'est clair le MAR ou le MBR? Oui? Il y a des questions ici? Madame, j'ai pas compris le MBR. Le MBR. Donc, on dit un a la mémoire. On a des informations. D'accord? Qui n'a pas, par exemple, une information de la mémoire.
دو كين جبد هذيك لانفورماسيون كين جبدهم لا ميموار وين تروح تروح في لو ام بي ار في لو ريجستر دو دوني دونك لو ريجستر دو دوني il va contenir l'information اللي كانت في الميموار دونك نجبدها من لا ميموار من لا رام اي جو في لا ديبوزي في الام بي ار c'est-à-dire le MBR qui contient l'information qui est dans la mémoire. On peut dire des informations, on dirait les traitements. Soit, on dirait, par exemple, si c'est une instruction de calcul, on va faire le calcul. Ou le MAR, c'est le registre d'adresse, c'est-à-dire les règles qu'on fait l'adresse et accéder à l'information. D'accord. D'accord. Donc ça, c'est le MAR et le MBR. C'est très, c'est, les deux sont très, très importants, le MAR ou le MBR. On va travailler avec tout au long du chapitre. Laquelle c'est clair, une chose, vers le RW. RW, c'est quoi? C'est une commande de lecture-écriture, read-write. Cette commande permet de lire ou bien d'écrire dans la mémoire. Lequel le cas, RW est égal à 1. معناها je vais faire une lecture sur la mémoire, c'est-à-dire رايح نقرا من la mémoire. Sinon, je vais écrire. Le لوكان RW est égal à 0, معناها je vais écrire في la mémoire. Je vais rajouter des données ou là je vais modifier des données. C'est clair pour RW? RW, لازم تكون 0 ولا 1. Oui, soit 0, soit 1. تقدر ما ديرش. Oui? تقدر ما ديرش écriture et lire. En même temps. Oui. En même temps, non. Soit on écrit, soit on lit. En même temps, non. Madame, c'est une entrée. Oui, c'est une entrée pour la mémoire. D'accord. Et ici aussi, c'est bon, là, quand c'est bon, je ne joue. C'est bon? Il n'y a pas de question? Alors, nous avons chip select. S. CS. Donc ici, ma cache le schéma. Chip Select, il permet d'activer ou désactiver la RAM. Donc Chip Select, il est soit 0, soit 1. La semaine prochaine, je chauffe les mémoires. Donc il permet d'activer ou d'activer la RAM, c'est-à-dire activer, c'est-à-dire la RAM. Désactiver, c'est-à-dire la RAM, soit 0, soit 1. C'est clair? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est le schéma HADA. Le MAR, le MBR, le MAR est toujours relié à un décodeur. Donc, je vous fais un petit exemple. Le MAR, il confie les registres, c'est le registre d'adresse, il confie les adresses pour accéder à l'information. Ou le MBR, il confie l'information, les kent, le mémoire. Soit les kent, le mémoire, soit l'information, une information, rehanktebha. C'est-à-dire, le cas où on écrit une information, on va la mettre dans le MBR, et dans le MBR, on va la mettre dans la mémoire pour l'écrire ici dans la mémoire. J'espère que c'est clair. Alors, on va voir un exemple de RAM 8 fois 3. 8 fois 3. Voilà. Ça, c'est une RAM. Elle est composée de 8 mots, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 8 mots. Et 3, donc 0, 1, 2, 3. Donc, Hagda, Narsam, la RAM. Qu'on a chaque RAM, elle est reliée à un MAR, c'est le registre d'adresse, et elle est reliée à un MBR, c'est le registre de données. Madame, l'écran mazel ou bloqué, fait donc les définitions. Mazel. C'est bon maintenant. Donc c'est bon. Classe. Donc n'aoud. Donc on va voir un exemple d'une RAM 8 fois 3. Donc 8 fois 3, ça c'est une mémoire 8 fois 3. Wesh ma'na 8. 8 ma'na andi 8 mots mémoire. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est les numéros des lignes. Et pour les colonnes, c'est les 3. C'est le numéro 3, 0, 1, 2 et 3. Donc, ça, c'est le schéma
La RAM 8.3. Donc, chaque RAM, elle est reliée à un MAR et un MBR. Donc, le registre d'adresse et le registre de données. Maintenant, si je veux accéder à une information, la RAM. Donc, les amener le registre d'adresse, l'adresse. Par exemple, ici, j'ai l'adresse 101. 101, c'est quoi? 5 En décimal. 5 5, voilà. Donc ici, j'ai besoin d'un décodeur. Head le décodeur, un dos, trois entrées. 3 bits. 1, 2, 3. Fois 8. Alors, 8, il y a qu'à la belle. Comme 2 à la puissance 3. Décodeur, c'est n fois 2 à la puissance n. Donc, on dit 3 bits, donc on dit 8 sorties. Première sortie, deuxième, troisième, etc. Donc ici, la première ligne du décodeur, c'est quoi? Zéro, zéro. Sitôt. Zéro, CRE. zéro. Voilà. Donc la première ligne ici, c'est 0, 0, 0. Deuxième, 0, 0, 1. Troisième, 0, 10. 0,11, etc. Donc ici, un akin le mar, n'a 101. Décodeur, il va sélectionner 101. Donc il faut 101. Donc elle est là. Donc 101, c'est Winkain la case grise. Donc il va sélectionner la case grise. Donc c'est 5. Et c'est ça. Hagda, je sélectionne ou là j'accède le mot mémoire. C'est à travers le MAR et le décodeur. Maintenant, si il s'agit d'une RW qui est égale à 1, maintenant je vais faire une lecture. C'est-à-dire, la donnée qui coule les cases grises, on le déha vers le MBR. Ce sera la lecture. Sinon, si RW est égal à 0, c'est-à-dire je vais écrire la mémoire, je vais rajouter une information la mémoire, c'est-à-dire l'information le MBR, donc MBR, et je vais l'écrire ou la noter la case 5. La mémoire en utilisant le MAR, le MBR et le RW. Est-ce qu'il y a une question? Madame, on peut supprimer une information. On peut supprimer. Votre cas, non. D'accord, vous allez faire juste une écriture et lecture, c'est tout. D'accord. Ce que tout m'a juste basique basique. Oui, d'accord. D'accord. D'autres questions? Le fonctionnement à la mémoire est très important. Ça, c'est la base du chapitre. Si vous voulez que je Madame. répète, je répète. Oui, madame. Je répète. Oui, madame. S'il vous plaît. Donc, comme une RAM 8 fois 3. 8 fois 3, c'est-à-dire, il représente les mots. Donc, c'est les lignes. 0, 1, 2, 3 jusqu'à 7. Et 3, c'est les cases, c'est les bits. Donc, on dit 0, 1, 2, 3. Donc, je vais vous comme le tableau 8 fois 3. S'il vous plaît, pas couper vos micros. Donc, on a la RAM, elle est la RAM, on associe un MAR, c'est-à-dire le registre des adresses, et on associe le registre de données. Alors, pour sélectionner une information le mémoire, donc pour accéder à une information, ma nqdrch n'accéder la hakdak, lazem nstaamel les adresses. Donc, par exemple, on va prendre l'adresse 101. 101, باش n'accéder ici, lazem ni un décodeur qui va décoder pour sélectionner la case 5. Donc, pour sélectionner la case 5, nstaamel un décodeur 3 fois 8. Pourquoi 3? Parce qu'on dit 3 bits dans le MAR.
Bit, parce que c'est 2 à la puissance 3. C'est selon la définition, tu as le décodeur de Schnaff série. Après, la première ligne, tu as le décodeur, c'est quoi? C'est 000. Deuxième ligne, 001. Troisième, 010. Quatrième, 011. Et ainsi de suite. Donc, tu as voyé, est-ce que 101 est égal à 000? Non. Est-ce que 101 est égal à 001? Non. Est-ce que 101 est égal à 0,10? Non. Et ainsi de suite. 101 est égal à 101. Donc, il a 101 est égal à 101. Donc, il va sélectionner la ligne numéro 5. Après, nous chauffons. Est-ce que c'est une fonction de lecture ou bien une fonction d'écriture? Par exemple, si c'est une fonction de lecture, c'est-à-dire la mémoire, c'est-à-dire de l'information de la mémoire, par exemple, supposez que un programme en langage C, il est chargé de la mémoire. Par exemple, faire la case verte, on dit une instruction A reçoit A plus B, par exemple. Donc, je vais la lire, donc je ne vais pas. Donc, qui est l'instruction où tu vas, tu vas dans le MBR. Donc, elle va se placer dans le MBR. Bien sûr, elle va être en binaire parce que c'est le langage machine. Ou Madame, bien, là, l'écran bleu. encore. Un ADM bloqué. Les autres, là, on bloque un peu. On bloque. Oui, madame. Qu'est-ce que j'ai envie de dire en blanc ou là qui fait? Là, on fait exemple, madame. Vous êtes Rani toujours fait dans exemple, la Nathanique, Rani fait exemple. le fond, madame. Hein? Les cas en farine, donc. Ferrine, ferrine, fais moi l'eau. Raon ferrine, mais fais moi l'eau, d'accord? OK. Oui, alors Ferrine, c'est juste un exemple. Imaginez que comme un programme en langage C, d'accord? كون معمر كاين ايماجيني Voilà, يكون معمر en quoi? ماشي يكون معمر en instruction, يكون معمر en bit, parce que le داخل في langage machine, c'est des bits, d'accord? Par exemple, في la case 5. Supposons que la case 5, c'est une instruction. A reçoit A plus B. Bصح نتوما في la RAM. Ma tkounch A reçoit A plus B. Raiha tkoun des 0 et des 1. Parce que la RAM, tu fahmch A reçoit A plus B. Tu fahm les 0 et les 1. C'est le langage machine. D'accord? Fahmtouni ou ne fahmtouch? Madame, Oui? pouvez-vous juste répéter ce que vous avez dit tout à l'heure, Madame Tahir? Read or write, comment c'est égal à Oui, 1 et je vais continuer. Oui. d'accord. Alors, donc ici, si on va faire une lecture, si il s'agit d'une lecture, l'information de la RAM et je vais la déposer sur MBR, ici, sur le registre de données. Après, il dit le processeur où je vais avec l'information, il va faire les calculs d'IELO. Donc, ici, c'est le MBR. Imaginez que vous avez un programme en langage C, la RAM. Le programme en langage C, la RAM, ici, il compte des 0 et des 1. Donc, ici, c'est une lecture. Donc, la donnée, la case 5, et je vais la déposer sur le MBR. Le processeur, il fait le c'est-à-dire, soit si une addition, il dit l'addition, ou qu'une soustraction, il dit la soustraction, etc. Sinon, s'il s'agit d'une écriture, c'est-à-dire, il y a une information sur la RAM. L'information, elle dit qu'il y تكون في الام بي ار راهي مخبيه في الام بي ار نبعتها من الام بي ار فيغ لا ميموار فيغ لا كاز 5 سيتادير رايحه نكتبها في 5 اسكو سي كلير ولا نعاود اذا ما فهمتوش نعاود وي Madame, les cases, c'est des mots, c'est pas des cellules.
هاد ما عنديش، كتشوفوا لا صوري تمشينا ما تشوفوهاش. هادوك لي ليني باغ اكزومبل 0 1 2 هادو، هذا كاع سي تان مو داكوغ، داك سي تان مو. اي لي سيلول هادوك لي كاز سي دي سيلول بينير، اي شاك سيلول فيها ان بيت. D'accord, donc c'est sur 4 bits. C'est sur 4 bits, mais on a le ktbou 3 parce que ça marche de 0 jusqu'à 3. D'accord. Donc le mot ta'lam ktbou sur 4 bits. Oui. D'accord. Madame. Oui. Donc on peut le même hadi kana katbin 8 x 3, mais c'est 7 x 3. شوفوا ما تخلطوش روحكم سات اكسيتيرا، خلوها هكذا ومن بعد نشوفوا، خلوها هكذا فهموا هكذا ومن بعد في لا سويت كي نديروا ليكستنسيون غالي تو كومبروندر. نتوما فهموا كيف كي يعطوا لكم هكذا غا 8 فوا 3 فو زالي ديسيني دو 0 جوسكا 7 اي دو 0 جوسكا 3 داكور، من بعد نفهموها داكور، مش ما تخافوش ومن بعد تفهموا. Parce que là, tu te chalotes comme les bits, les mots, etc. Donc, gardez le schéma, hagda, le dessin. L'essentiel ici, on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 mots. Chaque mot, il est composé de 4 bits. C'est bon? Oui, c'est bon. L'essentiel, le fonctionnement. Le fonctionnement. Donc, le fonctionnement de la RAM. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Classe? Il n'y a plus de questions? Madame, une RAM, Oui, une j'en barrette de mémoire. Andha, andha waht bakmar ou MBR, ou bien Oui, andha plusieurs. oui. Bon, un encore le oui, mais après tu vas voir Billy, il y a plusieurs. Oui. Il y a, en réalité, il y a plusieurs, mais Hagda, un seul. Parce que Mbad Kinzid ou l'extension, Rahin Stermelo, plusieurs marques et on va utiliser plusieurs MBR. Oui, d'accord. D'accord. Donc, il ne faut pas précipiter les choses. Fais-moi Hagda pour le moment. Mbad, je vois qu'il fait Diro l'extension. Donc, je vais m'arrêter là. Mais je ne sais pas plus. Donc, je vais vous envoyer de la partie et vous mémorisez les informations. Après, la semaine prochaine, samedi prochain, on va voir l'extension. C'est-à-dire comment je vais augmenter la taille de la RAM. Donc, mais diapo. On va la semaine prochaine, nous l'extension. Hein? Y a une question? Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. C'est clair, je pense. D'accord. Donc, on va continuer le dernier diapo. Alors, comment calculer la capacité d'une mémoire centrale? On va supposer que la taille d'adresse, le bus d'adresse, c'est K. C'est-à-dire le mar a une taille K. Et N, c'est la taille du bus de données. C'est la taille de le MBR, ou là, tu as le mot mémoire. On peut exprimer la capacité de la mémoire centrale soit en nombre de mots mémoire, c'est-à-dire je vais dire que la capacité d'une mémoire, c'est en mots mémoire. C'est-à-dire je vais faire un mot. Ou bien en bit, c'est-à-dire octet, kilo octet, etc. Nous pouvons mille bit, nous pouvons dire les conversions. Nous pouvons dire mille bit, je peux convertir vers l'octet, vers kilo octet, tera octet, etc. Donc pour calculer ou là pour exprimer la capacité en mots mémoire, elle est égale à 2 à la puissance k toujours. Donc pour savoir le nombre de mots mémoire, donc je vais utiliser 2 à la puissance k. K c'est quoi? C'est la taille du mar. Et si je veux l'exprimer en bits, donc c'est 2 à la puissance k fois n.
Donc, exemple, dans une mémoire, la taille du bus d'adresse est égale à K. Le bus d'adresse, c'est le MAR. Et la taille du bus de données, c'est le MBR. N est égal à 4. Calculez la capacité de cette mémoire. Donc, on va l'exprimer en mots mémoire. Si je veux l'exprimer en mots mémoire, donc, quelle est la capacité? Oui? L'exemple passé, madame. Celui-là. Je crois ma femme touche qui fait n'hsbou la capacité. Oui, madame, répétez, s'il vous plaît. Alors, bach n'hsbou la capacité عندي deux manières. Soit je calcule la capacité en mots mémoire, c'est-à-dire شحال عندي من mots. La capacité bach n'exprimer en mots mémoire, dire 2 à la puissance k. Ou k c'est quoi? C'est la taille ta'almar. Le registre d'adresse. Si je veux l'exprimer en bits, je vais écrire 2 à la puissance k fois n, c'est-à-dire la taille ta le mar, 2 à la puissance k fois n. N, c'est la taille de MBR. Donc ici, on a un exercice. Le k est égal à 14, c'est-à-dire le bus d'adresse est égal à 14. Et le bus de données est égal à 4. N est égal à 4. Attendez. Tu m'as appelé la taille ou la capacité en mon mémoire. 2 puissance 2 14. puissance 14. Voilà, c'est 2 à la puissance 14. 2 à la puissance 14, mon de 4 bits. Parce que ici, on dit le bus de données il est à 4. Donc, on dit 16 384 mots la mémoire et chaque mot il est composé de 4 bits. D'accord? Tu as dit la capacité. Maintenant, Oui, la capacité, si je veux l'exprimer en bits, c'est quoi? 2 puissance 14 fois 4. Voilà, c'est 2 à la puissance 14 fois 4 en bits. Maintenant, si vous voulez faire la conversion, par exemple, il faut comme exprimer la taille en octets. Qu'est-ce qu'on a tout à l'heure? On a un octet est égal à 8 bits. Yek. Un octet est égal à 8 bits. Donc, si vous voulez convertir le chiffre vers l'octet, qu'est-ce que vous allez faire? On va Diviser diviser un octet. par 8. Voilà. On va diviser par 8. Nous disons comme 1 kilo octet est égal à 1024 octets. Donc, si vous voulez convertir l'octet vers kilo octet, qu'est-ce que vous allez faire? Un octet est égal à 1024 octets. Divisé Divisé par par 1024. Voilà, on va diviser par 1024. C'est pour ça qu'il faut apprendre à faire les conversions. Parce qu'un exercice, c'est de calculer la capacité en téraoctets. Donc, tout matchbouha en bits, en bug. Vous allez la convertir, ça dépend de l'exercice, kilo-octet, téra-octet, méga-octet, ça dépend. C'est clair qu'il faut que la capacité, donc vous pouvez calculer en mots mémoire ou vous pouvez calculer en bits. Classe? Oui, madame. D'accord. Donc, je m'arrête là pour le cours. Donc, la semaine prochaine, je vais faire l'extension de la mémoire. Bon, la semaine prochaine, on va faire un cours tout y allant, donc pour faire l'augmentation de l'espace mémoire. Donc, ici, s'il n'y a pas de questions, je vais fermer le cours et on va passer vers le TD. Donc, le cours complet, on va la partie de l'extension. Qui D'accord, madame. D'accord. Alors, on va passer vers la série 1, l'exercice 6.
Alors, première question, donnez les entrées des bascules D d'un registre à décalage circulaire à droite sur 4 bits. Donc, on a ici un registre. Il est composé de 4 bascules, Q3, Q2, Q1, Q0. Donc, on a le décalage. Comme le décalage circulaire à droite. Donc, Q3 ou la Q0, Q2 ou la Q3, Q1 ou la Q2 et Q0 ou la Q1. Donc, si on utilise les bascules D, Madame, attendons les fonctions. Madame, on ne voit pas Oui. le partage. Et pardon. Pardon. Déjà le partage. Oui. C'est bon? Écoute, l'exercice. Vous voyez l'écran? Oui, mais c'est Hein? bloqué. C'est bon? Donc, continuons l'exercice 6, la première question. Comme ici, on va faire un décalage circulaire à droite sur 4 bits. On a les bascules Q3, Q2, Q1, Q0. Donc, on a le décalage. On a les Donc, Q3, c'est Q0. Q2, vous l'êtes Q3. Q1, tous les Q2. Et Q0, ou là, Q1. Donc, la fois passée, j'ai expliqué le principe du décalage circulaire à droite. Donc, la question, c'est quoi? C'est qu'il faut donner les fonctions ou les équations de la bascule D d'un registre à décalage circulaire à droite. Alors, Kololi, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? Oui. Table d'excitation. C'est pas la peine. Ce n'est pas la peine, Walesh. Parce que. Madame. Hein? Nchoufou winera. Non. Par exemple, Q3 plus, Hanaya, ou les Q0. Oui, ah, oui. Après, qu'est-ce que tu vas faire? Après le Q2 plus, il voulait Q3. Oui. Le Q1 plus, il voulait Q2. Oui. Et le Et qu'est-ce? Q0, il voulait les Q1. D'accord, ça c'est pour les Q. Maintenant, on a la question, c'est qu'on a, il faut donner les équations de la bascule D. Le Madame, D est la égal Q bascule D, plus. voilà, la bascule D, elle signe. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine de faire la table de transition ici. Donc, je vais afficher la solution. Alors, dans la bascule D, nous avons toujours Q plus est égal à D. Et comme a dit votre camarade, l'état suivant de Q3, Q2, Q1, Q0, c'est celui-là. Donc, on va dire que Q3 plus est égal à Q0, Q2 plus est égal à Q3, Q1 plus est égal à Q2 et Q0 plus est égal à Q1. Et comme on a blé Q plus est égal à D, donc on va dire que D3 est égal à Q0, D2 est égal à Q3, D1 est égal à Q2 et D3 est égal à Q1. Et comme ça, on a les équations de la bascule D pour un décalage circulaire à droite. C'est clair qu'il n'a pas compris ici? Pas de questions? Alors, on va passer vers la deuxième question. C'est la même chose. Donnez les équations d'entrée des bascules D d'un registre maintenant à décalage circulaire à gauche. On a le décalage circulaire à gauche. Oui? Qu'est-ce qu'on va faire ici? Madame, Oui? je le fais. Amansma, je suis Kakibi Dabzer. Près du micro. Vous m'entendez? Akibida. Un autre. Oui, les autres. Madame, je peux le faire. Oui, madame. Oui. Donc, Q3 plus c'est Q2, Q2 plus c'est Q1.
Q1 plus c'est Q0, Q0 plus c'est Q3. C'est C'est la même Q3, très chose. bien. La C'est même la chose. même chose. Après, le D, c'est C'est les Q. Q, oui. Voilà. Donc, la deuxième question, c'est le même principe pour le décalage circulaire à gauche. Donc, Q3 plus, c'est Q2. Q2 plus, c'est Q1, comme a dit votre camarade. Q1 plus, c'est Q0. Et Q0 plus, c'est Q3. Donc, comme D est égal à Q plus, donc Q3, D3, c'est Q2. D2, c'est Q1. D1, c'est Q0. Et D0, c'est Q3. On va passer à la question suivante. Soit le compteur dit rampant. À la belle commence rampant. Donc, à chaque fois, il dit Wahed. Donc, ici, 0, 0, Rahu Z Wahed. Ici, Z, Z Wahed. Hna Z1. Après, Z1. Donc, quand c'est complet, c'est-à-dire, on a complété les 1, donc, Nibda, Njibed 1. C'est-à-dire, je vais enlever 1. Donc, ici, ou là, 0. Après, je vais enlever le deuxième. Un ou la 0. Après, je vais enlever le troisième 1. Il va devenir 0. Après, je vais enlever le dernier 1. Donc, ou la 0, je m'arrête. C'est-à-dire, j'ai fait le cycle. Ça, c'est la définition d'un compteur rampant. Je n'aurai le premier TD. Alors, ici, on a donné les équations des entrées de la bascule D d'un circuit réalisant ce compteur. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire ici? Pour déterminer les équations de la bascule D pour réaliser le compteur. Oui? Dire un tableau. Madame, il faut d'abord faire notre table de transition. Voilà. Ici, on va faire la Oui. synthèse parce Voilà. qu'on dit un diagramme des états. Donc, là, on dit un diagramme des états. Donc, on dit la synthèse, c'est-à-dire dire la table de transition. Dire les équations en utilisant le tableau de Carnot, on va te les équations. Donc, la bascule D. Je vais afficher la solution. Donc, ici, on a le compteur rampant. Ça, c'est la séquence. On va utiliser la table de transition. Donc, je la table des transitions. On va mettre les QI. On va mettre les QI+. Après, on va mettre la bascule D. Donc ici, comme la bascule D est égale à Q, donc j'ai pas mis les Q plus. J'ai mis directement les D. Imaginez le tableau cubier. Après, on va donc remplir les D ou les Q plus. 0, 0, 0, il dina vers 0, 0, 1, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1, il dina 0, 1. 0, 101, voilà. 0, 10, Winnie Dina. 0, 101. 0, 10. 0, 0, 10. 0, indéterminé. Hein? Madame, il n'y en a pas. Il n'y en Indéterminé. a pas. Qu'est-ce qu'on va faire? X. Indéterminé. Très bien. X, c'est Deux indéterminé. X. Des X. 0, 0, 11. Vers quoi? Je Hein? 1011. Non. 0011, regardez, c'est Trois vers zéro 0, cent onze. 0111. 0100. Forme indéterminée. Indéterminé. 0101. Forme indéterminée. Forme Indéterminée. indéterminée. Voilà, 0110. La même chose. La Indéterminée même aussi. chose. 0111. Voilà, 1111. 1000. Zéro. Voilà, 1001. Akash. Nakesh, 10, 10. Akash. Oui, Toujours 10, 11. indéterminé. 11, Akash. 0, 0. 10, 1000. 0, 0. Voilà. 11-01. Akash. Indéterminé. 11-10. 0, 0. 0, 11-00. 11-11. Akash. 11-10. Non, quand même. 0-0. 3, 1, 0. Attention. 11-10. Donc, 3-1-0.
Donc, on a la table de transition. Donc, ici, j'ai noté barque, que les QI plus à la home est égal à OD. Hein. Donc, il faut mettre la table de transition les Q, QI plus, on va dérouler D. Donc, la table donc, à partir de cette table de transition, les tableaux de Carnot. Donc, voici le premier tableau de Carnot, c'est le tableau de D3. Donc, j'ai rempli le tableau. Attelez le groupe. Là, la Falwost. Des Falwost. Donc, c'est celui-là. C'est quoi sa fonction? Q2. Très bien. C'est Q2. Hadou, maintenant, je vous en siècle. Après, c'est la même chose pour les autres. Les autres tableaux de Carnot, donc je ne vais pas répéter, vous connaissez le principe. Donc D2 est égal à Q1, D1 est égal à Q0 et D0 est égal à Q3 bar. Donc on a répondu à la question. Pourquoi on n'a pas fait le circuit? Parce que d'habitude, il y a que la synthèse, on déroule le circuit. Donc on a fait le circuit. Donc ici, on a la question. Donc, la question, je trouve, donner les équations d'entrée. C'est pour ça que je n'ai pas dessiné de circuit. Donc, je me suis arrêtée là. Donc, donner les équations d'entrée. Donc, on a terminé les trois donc, questions. On va passer vers la dernière. Donner les équations générales du circuit qui remplit les trois fonctions précédentes. C'est-à-dire, on dit un circuit. Les amis diraient les trois fonctions, c'est-à-dire ils diraient registre à décalage circulaire à droite, ou ils diraient registre à décalage circulaire à gauche, ou ils diraient un compteur rampant. Donc, comment je vais faire? Donc, pour contrôler un circuit qui a plusieurs fonctions, donc, on a un circuit, on a plusieurs fonctions, on a trois fonctions. Il faut utiliser les variables de contrôle. Idashfito, on a fait début la variable de contrôle. C'est une variable extérieure, la kentchfeu. Mais je n'ai pas voulu aborder la définition réelle de la variable de contrôle. Donc, la variable de contrôle, on a utilisé réellement lorsque j'ai un circuit qui a plusieurs fonctions. C'est pour contrôler le circuit. Parce que vous voyez les plusieurs fonctions. Donc, j'utilise la variable de contrôle pour savoir quelle fonction je vais sélectionner. Donc, c'est pour contrôler le circuit. Alors, dans notre cas, il y a trois séquences différentes. C'est-à-dire, on dit trois fonctions différentes. Donc, il faut utiliser deux variables de contrôle. Toujours, dire n moins 1. Donc, nous avons n fonctions. Donc, toujours, pour savoir le nombre de variables de contrôle, dire n moins 1. Donc, ici, on dit trois fonctions. Donc, j'ai 3 moins 1, c'est-à-dire deux variables de contrôle, smith home, x et y. On va dire que quand x et y est égal à 0, 0, je vais faire un décalage circulaire à droite. C'est-à-dire, je vais sélectionner le décalage circulaire à droite. Quand j'ai x, y est égal à 0, 1, je vais faire un décalage circulaire à gauche. Quand j'ai x, y est égal à 10, j'ai un compteur rampant. X, y est égal à 11, mais on a un walou. D'accord? Donc, ici, les variables de contrôle. Après, on va dessiner le tableau. Je vais faire le tableau. Je vais dire x, y. Après, vous allez mettre ici 2, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Donc, je vais dire comme c'est x, y, 0, 0, 0, 1, 10, 11. Et quand vous allez travailler avec les bascules D, donc vous allez mettre les bascules DL. Comme on a 4 bascules. D3, D2, D1 et D0. On va remplir le tableau. Hna, où je rejena tout à l'heure. Tout à l'heure, je rejena ici. Comme l'affichage. Non, madame. Rani, exercice 6.
كاين جا لافيشاج؟ نو نو ما كان والو. C'est un écran blanc ou la kiffache? Oui, c'est bon maintenant. Oh, John. John. Alors, chauffons l'exercice 6. Oui, nous trouvons l'exercice 6. Qu'est-ce qu'on a trouvé pour le décalage circulaire à droite? Chauffons, le qu'il D3 est égal à Q0. D2 est égal à Q3. D1 est égal à Q2 et D3 est égal à Q1. Ça, c'est pour le décalage circulaire à droite. Pour le décalage circulaire à gauche, il y a les fonctions. Et pour... Déjà comme donc à l'affichage simplification des équations. Tu veux dire, mademoiselle? Oui, madame. Oui, madame. Donc, le compteur rompant, il y a les fonctions. Il y a les fonctions. Donc, on a un autre ici. Déjà comme l'affichage des équations générales. Oui, madame. Très bien. Donc, Raihan, amma le tableau. Comment je vais le remplir? Donc, x, y, 0, 0, décalage circulaire à droite. Je vais mettre donc, les fonctions circulaires à droite. D3 est égal à Q0. D2 est égal à Q3. D1 est égal à Q2. Et D0 est égal à Q1. D'accord? Ça, c'est les fonctions. L'ilqinahum, décalage circulaire à droite. Maintenant, j'ai x, y, 0, 1, c'est le décalage circulaire à gauche. Donc ici, je vais mettre les fonctions du décalage circulaire à gauche. Wesh l'qina. Et 10, on va mettre wesh l'qina les fonctions, le compteur rampant. On a trouvé Q2, Q1, Q0 et Q3 bar. Et ndi le 1, 1, ndi wello, donc je vais mettre un x. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Femto? Oui ou non? Oui. Oui, madame. Donc, qui colle, voilà, qui colle comme, attends, on a les équations générales, tu as plusieurs fonctions. Donc, toujours, le nombre de variables de contrôle. Vous allez mettre les variables de contrôle, chaque variable de contrôle, je veux dire, comme fonction. Et vous allez remplir le tableau. Maintenant, on va sortir les équations générales parce que tu as besoin de les équations générales. Donc, D3, l'équation générale de D3, D3 qui va faire, c'est-à-dire compteur rampant, décalage à droite et décalage à gauche. D3, qui va sortir? Chauffons bien. On dit ici x, y. La première ligne, c'est 0, 0. Donc, x est égal à 0. Donc, je vais mettre x bar. Y est égal à 0. Donc, je vais mettre Y bar. Et D3, le cas, c'est quoi? C'est Q0. Donc, dire fois Q0. Ben, dire plus. X est égal à 0. Donc, c'est X bar. Y est égal à 1. Donc, c'est Y. Multiplié fois Q2. Plus X est égal à 1. Y est égal à 0. Donc, c'est Y bar fois Q2. Qui n'a pas compris? Aide la partie. Madame, je n'ai pas compris. Allez, je vous répète, s'il vous plaît. Oui. Nous allons faire la fonction générale de D3. La fonction générale de D3, c'est-à-dire nous allons faire la fonction les décalages à droite, décalage à gauche et compteur rampant en même temps. Qui fait une chose? Vous allez examiner à côté de la souris, s'il vous plaît. La souris, ben. Oui, madame, oui. Très bien. Oui. Donc, on dit x, y. X, y, nous allons voir le premier cas. C'est quoi? C'est 0, 0. Ça, c'est le décalage à droite, circulaire à droite. Donc, on chauffe x est égal à 0 et y est égal à 0. Dans ce cas, ici, je vais mettre x bar, y bar. Je vais multiplier par q0. Parce que là, on chauffe la colonne. D3. Regardez head la colonne. Donc, je vais multiplier x bar, y bar fois q0 plus. Deuxième ligne, c'est x est égal à 0 et y est égal à 1. Donc, qu'est-ce que je vais noter? Je vais noter x bar, y fois q2 plus la troisième ligne, c'est le compteur rampant.
Donc, x est égal à 1 et y est égal à 0. Donc, je vais noter x, y bar fois q2. Donc, ça, c'est la fonction de D3 qui va remplir les trois fonctions. Circulaire à droite, circulaire à gauche et rond-point. C'est clair? Oui, madame, merci. D'accord. On va continuer maintenant pour faire D2, c'est exactement la même chose, la colonne D2. Donc, on va multiplier, pardon, ici, une simplification, c'est le XOR. Hein. Donc, on simplifie. Maintenant, pour D2, kif kif, dire x bar y bar fois Q3, x bar y fois Q1, x y bar fois Q1. Ça, c'est la fonction D2. Donc, kif kif, on dit ici un XOR, je vais simplifier. Maintenant, pour D1, exactement la même chose. X bar Y bar fois Q2, X bar Y fois Q0 et X, Y bar fois Q0. Simplification, ici, il y a un XOR. Et le dernier, D0, la même chose. X bar Y bar fois Q1, X bar Y fois Q3, X, Y bar fois Q3 bar. Pardon. Donc, et ça, c'est les fonctions générales. Donc, D, D3, D2, D1, l'idéro, décalage circulaire à droite, à gauche et compteur rampant. C'est clair? Oui? Donc, Agda, on a terminé notre série. Juste, Burke, il y a votre camarade Yanis Tabloud qui m'a posé la question par email. Qu'allez, madame, qui connaît une synthèse, où il y a le codage, les lettres, il y a cinq lettres. Comment on va faire? J'ai juste repris avec le tableau, les côtés comme c'est la Hiralta, 1-1, normalement, quand 1-0, normalement, il y aura 1-1. Donc, j'ai repris le même exercice, juste une chose à lire, parce que vous connaissez comment faire la synthèse. Donc, head le tableau. On va dessiner le diagramme des états. Donc, ça, c'est la table de transition, c'est-à-dire on va simplifier les états. Voilà la table de transition simplifiée. Ça, c'est le graphe simplifié. Juste pour répondre à sa question. Donc, ici, quand on dit 5 états, A, B, C, D et E. Donc, on dit 5 états. Donc, le maximum ici, c'est 100. C'est le E. Donc, c'est 100. Donc, on dit, il y a 3 bascules. Q2, Q1, Q0. Et je vais faire la même chose. Donc, on va voir la table d'excitation. 0, 0, 0, c'est le A. Avec entrée 0, oui, il dit vers les Q+, c'est 0, 0, 0, c'est-à-dire il y a un janil A avec sortie Y, et ainsi de suite. Donc, le A avec entrée 1, il dit vers 0, 0, 1, 0, 0, 1, c'est le B, ou ainsi de suite. Donc, on va dérouler la basculité, etc., les équations d'entrée et le circuit. Donc, c'est juste pour le répondre à sa question, ou donc nous allons vous l'exercice pour que vous puissiez le faire. D'accord? D'accord. Est-ce qu'il y a des questions sur toute la série? Là, quelqu'un a des questions, parce que là, on va continuer de la série, on ne revient plus. C'est bon? Il n'y a plus de questions? Madame, oui. Corrigez le devoir, l'exo-8. Oui, donc le battre comme le corriger. Après, monsieur Lyon, le battre comme après. D'accord. D'accord. Donc, c'est bon. Donc, n'oubliez pas le devoir Lyon, dernier délai. Les battre la boîte mail, s'il vous plaît, mettez battre la boîte mail, battre la boîte CRI. Sinon, je ne compte pas. Même chose, je ne compte pas. Donc, battre la boîte CRI. D'accord. Donc, je vais vous envoyer ce soir le cours sur les mémoires ou mettre comme la solution à toute la série, ou je donne en ligne plutôt. Je donne en ligne, je vais mettre en lien.
ou là, si je reçois la série sur les mémoires, Ranin Bahalkom. Adamak. Madame, madame, Oui? madame, on Oui? aura une interro. Vous allez faire une interro ou pas? Oui, justement, j'allais vous parler sur l'interro. L'interro, ça sera la dernière semaine en présentiel. Hein? C'est-à-dire, le calendrier, Madame, bâtez-nous la solution de la série. oui, bien sûr. Ça Alors, madame, marchera. c'est pour tous les exercices. Hein? C'est pour tous les exercices Les de la série. exercices les drenons en ligne, les je Oui. malgré chaque drenons en présentiel, drenons trois en présentiel, à deux mains dix la solution à taper. Où Ou les je drenons en madame, je ligne. gars? Quel les madame? Là là, on a fait tous les exercices sauf l'exercice numéro 9, c'est un devoir. Après, nous battons comme la solution. D'accord. Mais on a tout fait. Les exercices, les deux normes en présentiel, deux normes sur le tableau. Alors, pour l'interro, voilà, calendrier, on va reprendre le 26, yek, en présentiel. C'est le À 23, non? hein? Oui, c'est le 23. Oui, le 23, donc le mercredi, le 26, on va reprendre en présentiel. C'est notre première séance. Oui. D'accord? Après, le mercredi prochain, donc l'interro, ça va être le 2 juin. Oui, d'accord. D'accord. Madame. Diro un cours ou l'intédé, on va dire l'interro, qui m'a donné la fois passée. Madame, ça va porter sur les circuits séquentiels uniquement ou bien vous allez voir après? D'accord. Nchoufou win l'hqo. Ida D'accord. donna les TD sur les mémoires, ça va porter sur les deux chapitres. D'accord. De toute façon, je vais vous informer. Normalement, nlhqo ndiro chouïa des exercices sur les mémoires. Normalement. Si tout va bien, peut-être on commence la série 2 la semaine prochaine. Belek ndiro au cours et après on va faire directement un exercice ou la deux sur les mémoires. D'accord. D'accord? Donc, préparez-vous. C'est pour le 2 juin. Oui, donc c'est D'accord? sur Donc, 15. je vais voir, soit sur 15, soit sur 17. Ah, d'accord. L'essentiel, il y a une note de participation. D'accord. Alors, s'il n'y a pas de questions, donc, je vais mettre fin à la réunion. Et on se voit samedi prochain, Inch'Allah. Pas de questions, classe? Merci, madame. D'accord. Merci, madame. Allez, bon courage.